grande différence entre ça, qui n'est pas bon, et ça, qui est bon. En apparence, ça ne se voit pas. Avec le partenaire, le commun outil, il va falloir essayer de voir la progresser. Là, on se rend bien compte qu'on est exposé. D'accord ? Donc, il faut vraiment avoir cette notion d'irémie dans le texte abaki. Il y a cette notion d'irémie ici. Hein, et c'est seulement à ce moment-là qu'il y a le pivot. Donc on rentre, on pivote. Deuxième texte avec la limite. Donc vraiment pensez ici à bien rentrer. Tsuki Jodan. Tsuki Jodan, c'est vraiment avec cette idée-là. Ce qu'on va faire, on va apprendre à rentrer là-dessus. Trop souvent, ce qui se passe, notamment de la tension, on sort et systématiquement, c'est exactement comme le travail au Ken, le partenaire suit s'il me voit sortir. Voilà. Hein, donc, ce qui va nous intéresser, c'est aller à la rencontre du Tsuki. À un moment donné, ici, on va se dépasser. Voilà. Il faut aussi prendre le risque, à un moment donné, d'être touché. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Voilà. Donc, vraiment, plus de là. Doucement, vraiment essayer de rentrer sur la plaque. Vraiment essayer de. Vous pouvez vous aider avec la main. Allez, changez de partenaire. Ça, il faut avoir cette notion d'irémie. Un appétit. Et un filo. Allez, on va être passé. Ikkyo.
chiro. On va faire les chiro, hein, normalement. Mais avant de sentir ça, il faudrait pendant des années et des années de travail de plaisir. Voilà. Donc, quand on fait ce chemin Mochi, je sais que c'est. Vous n'avez pas l'habitude, c'est un travail de haut niveau, mais il faut commencer. C'est comme le travail des armes. On n'attend pas de passer une ceinture noire pour commencer à travailler des armes. Hein, là, il y a Kyo. Ça bouge. C'est le corps. À un moment donné, ça s'arrête. Donc là, on est sur un travail de centrage. Et bien sûr, pour avoir cette notion d'irrige dans l'entrée, et la main en devant. Et on marche sur l'axe. Effacer ici, ne mettez pas la main ici. Parce que si elle tire sa main, voilà, regardez, vers son ventre, pourtant je suis centré. Hein, ce qu'il faut, il faut quand même amener le partenaire devant ici. Voilà, dans un déséquilibre. J'ai créé un déséquilibre. Hein. Et là, au moment où elle décolle la jambe, normalement, je suis déjà derrière. Donc là, n'hésitez pas à allonger un petit peu ici, devant. Voilà. Quand on fait nickel, on n'est pas ici, on est là. Donc ça c'est exactement pareil. On retrouve la même position, la même posture. Comme ici. Là ça me permet de monter, de prendre maintenant. Après vous verrez, on prendra bien plus tôt. Et donc, je déplace, j'allonge un petit peu. Ça va me permettre de ramener un petit peu. Je vais prendre. Ça c'est un point fixe. C'est un point fixe. Si je me déplace par là, voilà. Je monte et là je prends. Je prends. Allez, on continue. On commence à poser la main. Sur votre axe, votre chaîne aiguille sera systématiquement bien faite.
On va au niveau, on démarre par la base. On pense à la base. C'est la même chose, hein. Donc pour l'instant, pour récupérer en même temps, on va travailler comme si on avait un bloc-in. On va se déplacer, on va essayer de comprendre ce travail de l'action. Et si ma main elle part sur le côté, les hanches aussi. Décentrer vous-même. Je peux plus rentrer là. Il pousse. Pour pouvoir rentrer, il faut que je retrouve mon centre. Changer de partenaire, je suis centré. Mais je ne peux plus agir sur le partenaire. Donc, on agit aussi sur le centre du partenaire. Le centre du partenaire, il est ici, sur l'axe. Donc, il va falloir agir sur l'axe, sur le centre. Si je sens la poussée qui vient vers moi, une carte, et là j'ai mon travail de quête. Par contre, lui il est derrière. Donc il va falloir que je remonte et que je retrouve. Ça bouge le contrario. Je monte et là je retrouve mon travail de quête. Et là, j'aurais trouvé mon travail de base. Allez, on revient.
bien sur chevalier, si je commence à pivoter avant, il va tirer, il va me déséquilibrer. Hein, donc là, c'est un peu le même principe. Je suis ici, voilà. Je ne peux pas aller vers lui là, parce que là, il va pousser. Et ça ne va pas faire. Si on ferait une ligne de force, et là. Dépend à NK, la base c'est ça, on est d'accord sur lui. On a vu qu'on pouvait aussi faire avec le NK, ça ne change rien. Et puis là on n'utilise pas de force, c'est ce que j'expliquais, puisque ici on travaille sur des lignes de force, et on peut être un peu plus musculé dans ces cas-là, donc la poussée elle est vraiment sur les hanches. Voilà, et là on ici. Et là, je vais et là, il faut que je retrouve l'axe de mon rapport. Là, j'en ai pas fait un peu. Et on retrouve le travail de mon en diagonale. D'accord. Parce que si vous êtes trop collé au partenaire, là on se retrouve décentré. Donc on part légèrement sur le côté, risque, pour pouvoir revenir plus facilement de toi. Légèrement sur le côté. Bon. Là, je vais revenir devant. Allez, changez de partenaire. Plus on monte en grade, plus on connaît de forme. Mais par contre, le fond, ainsi, c'est le même. Voilà. Dans les formes que je montre, là, il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre. Hein, la meilleure, c'est celle de toute façon de décentrer. Justement, j'ai mis un grand mois. Là, quand je vais être car, il faut que je consacre ce travail. Je consacre ce travail. C'est pas comme le principe, il est là, le principe du cerveau. À aucun moment, mes bras partent sur le côté, ils restent tout le temps ici. Maintenant, une autre forme. Il peut aussi que des fois, la force elle vienne un peu vers le bas. Et ça, c'est avec l'expérience qu'on sent. Donc, on sent que ça tire un peu vers le bas, on contrarie comme ça. On se positionne ici. Et là, on garde le même passé. On commence à avoir un petit peu de là. Je ne contacte pas mon partenaire. Je me colle contre lui. Ainsi. Je me colle ça. Je sais. Thank you.
du partenaire, mais surtout de travailler en fait sur l'axe du partenaire. Okay. C'est assez compliqué. Je tourne tout le temps. C'est que là, on est sur un travail d'ouverture. Et cet angle-là, il faut systématiquement. Ici. Ceux qui veulent essayer un travail avancé, c'est comme le travail au tantôt, comme lequel, pour se déplacer sur le côté, le pied ici. Plus, quand on rentre de trop sur le partenaire, on travaille avec les bras, donc on force. Plus je vais forcer, plus il va y avoir de l'opposition, et là, il ne se passe rien. Au contraire, prendre la distance, regardez, j'ai joué sur l'axe du partenaire,
ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Je suis ici, le partenaire il est bien sur son axe. Si je prends un peu de distance, je le descends. Voilà. Et là, à partir d'ici, je suis en bas. Et c'est mon corps qui descend. C'est plus mes bras. C'est vraiment cette forme-là qu'on utilisera si on se sent en danger, si quelqu'un est venu dans votre sphère pour vous attraper. Parce que si on est saisi ici au niveau du contrôle, en général, c'est une qualité pour assurer une qualité dans le contrôle. D'accord ? Donc, Katadori Nikyora, sur Ryo Katadori. Et c'est pour ça qu'on sort de la ligne d'attaque pour éviter de prendre une des parties des côtes du corps sur vous. Hein? Donc là, on pose tout de suite, pas de démission. Donc on intervient tout de suite par rapport à la saisie. Je n'attends pas. C'est déjà trop tard. Parce que là, on a déjà tiré. Dès qu'on sent la saisie, on prend. Allez, pour finir le tour, changez de partenaire.